Bon, t'as entendu Michel, faut être gentil avec la Terre et avec les autres. C'est voilà, tu pourras même la remettre à la fin, je pense. Donc on se calme, hein. on est gentil. La minute d'humeur de Grégoire Condé. Oui, parce que Grégoire, c'est quand même le seul chroniqueur que quand il ouvre la porte, nous on entend ça dans les studios, on se cache, on a peur. Mais que nous arrive-t-il? Ah, c'est Grégoire. Ah, il est là. Ben oui, il est là tous les mardis avec 5 minutes d'humeur. Et cette semaine, comment est-ce qu'il se sent-il? Eh bien, cette semaine, Guillaume, je ne saurais pas vous dire si je suis content. Eh ben non, je sais pas si. Ben oui, je sais pas si je suis content, malheureux, triste, chafouin, chonchon. Je ne sais pas. Je suis partagé entre les petits plaisirs et les grandes tristesses, entre grandes joies et désillusions. Ces petits plaisirs anodins qui me donnent le sourire, comme lorsque j'enchaîne en voiture 2 feux verts à la suite, ou comme lorsque je regarde ma montre par hasard à 11h11 ou à 22h22, lorsque mon chocolat du matin est bien dosé, que la proportion lait-cacao est parfaite et que ma tartine délicatement trempée est à point, signe d'une bonne journée qui commence, ou ces petits plaisirs comme la lecture d'un journal le matin caressé par les rayons du soleil printanier, comme ce premier caca de 8h47 qui me permet de me libérer pour la journée et qui arrive, juste à la bonne heure pour pouvoir entendre la chronique de François Morel le vendredi matin. Ça, c'est un petit plaisir, ou un petit plaisir égoïste aussi, comme de manger le dernier carreau de chocolat de la tablette qui traîne dans le placard, ou le petit plaisir du verre de vin en fin de journée avec ma femme, des petits plaisirs de la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules si bien décrits par Philippe Delerme. Mais ces petits plaisirs sont souvent recouverts par la tristesse qui m'assaille. Le souvenir d'un être cher, une incompréhension face aux problèmes du monde, des images d'horreur réelles qui font de moi un spectateur passif, une tristesse face aux tourments du monde, une tristesse quand je m'engueule avec ma femme, une mélancolie quand je pense au temps passé, perdu ou peut-être gagné, quand des souvenirs heureux ressurgissent, comme ça, sans crier gare, et vous disent qu'ils ne reviendront plus. D'autres prendront la place au rayon de l'avant, mais ceux-là seront foutus. Adieu, souvenirs joyeux. Mais ma tristesse et ma mélancolie prennent souvent le large, chassé par les tempêtes de joie. Des vacances en famille, un enfant qui grandit, des premiers pas, des premiers mots et tant d'autres à venir. Des grandes joies, d'une belle soirée où les amis rigolent, déconnent et se laissent aller. Des mariages à venir, des unions à célébrer. Des grandes fêtes costumées, des moments de fierté quand les choses bougent, avancent. Des grandes joies quand on est en finale ou quand on est les champions. Mais ces moments de joie sont parfois troublés par mes désillusions. Comme quand le 11 janvier n'est plus qu'une excuse pour tout et plus un moment fort. Des désillusions quand des cons continuent à être cons. Quand on met des émissions à la télé où des simplets en quête de célébrité ne font rien et que ça intéresse du monde. Des désillusions quand on érige le vide au rang de religion cathodique. Des désillusions quand un like ou un retweet vaut reconnaissance. Des désillusions devant ces gens qui filme des chats et des gens qui regardent. Alors cette semaine, Guillaume, je suis un cocktail de sentiments, un mélange d'humeurs, une pincée de joie, un soupçon de tristesse, une pointe d'amertume et une rasade d'optimisme. Alors si vous me demandez comment ça va, eh bien je vous répondrai, ça va bien, merci. À la semaine prochaine. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que c'est la première qui finit bien. Et cette musique est parfaite. On va arriver à faire quelque chose de toi, dis donc. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. À la semaine prochaine. À la même heure. Et puis nous, bien sûr, on continue en musique, c'est mieux que le micro. Avec dans quelques instants un nouveau point sur vos conditions de circulation. Arrive aussi Junior Senior, Move Your Feet. Et puis tout de suite, c'est Noir Désir avec L'Homme Pressé. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et surtout, bonne route si vous nous écoutez depuis votre voiture. Allez, à tout de suite.